très heureux de vous revenir cette année avec cette présente série. Et j'aimerais en profiter pour vous souhaiter une bonne année et puis avec toutes les bénédictions du Seigneur. Aujourd'hui, pour le message que j'aimerais vous présenter, le titre, en fait, c'est « La bonne nouvelle inquiétante ». La bonne nouvelle inquiétante. Pourquoi ce titre? Tout d'abord, j'aimerais vous introduire à un texte, une parole de Jésus qu'on retrouve dans l'Évangile de Matthieu, le chapitre 7, puis le verset 21. Le Seigneur nous dit, « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Mais Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Tout d'abord, j'aimerais souligner qu'ici, Jésus s'adressait à des gens religieux. Ils faisaient partie du judaïsme. Puis c'est des gens qui faisaient beaucoup d'efforts dans le but de plaire Dieu, dans le but de se soumettre, en fait, aux exigences de la loi, justement, dans ce temps-là. Et puis aujourd'hui, bien, ça pourrait s'appliquer aux gens religieux, bien sûr, mais aussi aux bons gens, le bon monde, comme on les appelle. Alors, chers amis, c'est un message pour chacun d'entre nous. Ce n'est pas les païens qui disent « Seigneur, Seigneur, on a fait des miracles, on a prophétisé, on a chassé des démons. » On pourrait même ajouter à cette liste présentement en disant « Ben moi, je faisais partie des femmes chrétienne dans ma municipalité. Puis on a ramassé des fonds pour aider les enfants qui avaient des besoins bien particuliers. D'autres pourraient bien dire, bien, nous autres, on a envoyé des fonds, de l'argent aux pays sous-développés. D'autres pourraient dire, bien, nous autres, on a fait le feu de chasteté et puis le vœu de pauvreté, justement pour aller en mission et puis dans le but de mériter ce salut que Dieu a pour chacun d'entre nous. Tout d'abord, la parole de Dieu nous dit bien que ce n'est pas dans les choses qu'on fait qu'on peut mériter son salut. Le salut est conditionnel au plan de Dieu. Pas selon notre plan à nous, pas selon le plan de notre confession religieuse. Peu importe la confession religieuse à laquelle on adhère présentement. Le salut dépend exactement du plan de Dieu et ce que lui a fait pour nous. Ce n'est pas tellement ce qu'on peut faire, nous, pour mériter le plan du salut, mais ce que le Seigneur Jésus, le Fils de Dieu, a fait pour nous. Il est venu dans ce monde spécialement pour se rendre à la croix, répondre à la justice de Dieu, afin que on puisse être pardonné, puis avoir l'assurance du salut, la vie éternelle. On se rappelle de cette parole du Seigneur qui est assez bien connue, quand même, par beaucoup, beaucoup de gens, où le Seigneur nous dit en Jean chapitre 14 et le verset 6, il nous dira, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Puis il faut bien souligner, « Nul ne vient au Père que par moi. » Le salut, mes chers, se trouve dans une personne. C'est pourquoi on doit vraiment ancrer notre foi ou fonder notre foi sur la personne du Seigneur Jésus et sur l'œuvre qu'il a réalisée pour vous et moi à la croix du calvaire, pour avoir la certitude du salut. Et la parole de Dieu, c'est en fait elle et qui, justement, peut nous donner de l'assurance puis enlever toute inquiétude. Je peux quand même vous dire, mes chers amis, que j'ai l'assurance du salut, moi. C'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui me le dit dans sa parole. Alors, c'est pourquoi je peux affirmer cette vérité. Puis, je pourrais citer vraiment
plusieurs autres paroles, justement, dans le temps qu'on a. On peut se poser la question à savoir où est fondée votre foi, comme j'en ai déjà parlé. Notre foi doit être, comme j'ai dit, fondée sur le roc. Et puis on se rappelle de cette parole que le Seigneur avait posée un jour à ses disciples. Il leur dit, « Qui dites-vous que je suis, moi, le Fils de Dieu? » Et Pierre de répondre, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et le Seigneur de répondre, dans le terme grec, « Sur ce roc, je bâtirai mon Église. » Sur ce roc, je bâtirai mon Église. Alors, cher ami, est-ce que votre foi est fondée sur le roc? Je pourrais aussi vous citer, par exemple, dans les Écritures, c'est le chapitre 10 du livre des Actes, où un homme nommé Corneille, cet homme était un homme bon, un vrai bon vivant qui faisait beaucoup d'aumônes pour les gens qui priaient continuellement. Et pourtant, cet homme-là avait besoin du Seigneur dans sa vie. Cet homme-là n'était pas sauvé, il n'avait pas la certitude de la vie éternelle. Alors, cher ami, comme on le voit dans les Écritures, Dieu permet que Pierre se rende chez lui pour lui annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Et comment lui, Corneille, pouvait placer sa foi dans la personne du Seigneur Jésus pour avoir la certitude du salut, la vie éternelle. Alors justement, c'est ce que Corneille a fait, et même les gens de sa maison. Cher ami, c'est ce qu'on a besoin aujourd'hui. Nos mérites, nos bonnes œuvres, c'est bon, mais ça ne peut jamais nous garantir le salut, la vie éternelle. Seul Jésus peut nous offrir justement le salut, puis la vie éternelle, c'est un don de Dieu. Mais pour ce faire, il faut venir à Jésus tel qu'on est, pécheur, pécheur perdu, et puis dans l'humilité, puis dans un esprit de repentance, inviter Jésus comme sauveur personnel, et puis vous confier dans les mérites, ses mérites à lui, puis le sang qu'il a versé à la croix du calvaire, parce que c'est le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché. Vous savez, nos bonnes œuvres, ça n'enlève pas le péché dans nos vies. On a besoin, justement, vous savez, de venir à Jésus, puis accepter, justement, qu'il nous lave par le sang qu'il a versé à la croix. Et puis, le moment qu'on accepte Jésus comme sauveur, on peut vraiment dire qu'on a l'assurance de la vie éternelle. Alors, chers amis, qu'il en soit ainsi pour vous, aujourd'hui, pour la gloire de Dieu. Amen.